Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog, balade, essai de sel, etc. Parce que du coup je vais vous expliquer un peu dans l'ordre. Donc on avait essayé la selle de Stéphanie, donc l'Eric Thomas sur Lily, pour voir si la longueur, tout allait, sauf l'arcade évidemment, elle allait être trop petite, ça c'était sûr. Et du coup on a été acheter une arcade, donc c'est la violette, donc c'est la plus grande de Eric Thomas, parce que Stéphanie elle avait la moyenne, la standard en fait, que voilà. Et du coup là c'est la violette, donc c'est la plus grande de Eric Thomas, donc si ça n'allait pas, on devait racheter une selle. Enfin, je devais racheter une selle pour moi et Stéphanie devait racheter une selle pour elle. Du coup, on a été chez Pad avec la selle Eric Thomas. Donc, il y avait l'arcade bleue dedans et le monsieur nous a mis une arcade violette. Donc, comme je vous ai dit, c'est la plus grande de Eric Thomas. Et ensuite, on l'a ramenée à la maison. Vous allez voir, on voit bien que c'est bien plus écarté. Mais voilà. Et du coup, on l'a essayé quand on les a redescendus du Grand Pré là-haut pour le dentiste. Donc, on a essayé, vu qu'elle était mouillée en plus, la jument. On a bien vu les traces qu'elle faisait et tout. Et on a vu qu'elle penchait en avant. Alors ça, on n'a pas de plat chez nous, vraiment plat. Donc on s'est dit, c'est pas très grave, on l'essayera en balade. Et si ça va pas, on rajoutera une selle ou un amortisseur à cale. On essaye juste ma grosse, comme ça. Ah, c'est des grandes lèvres. Ah non, je vais pas mettre ça là. Ah oui, elle va le manger. T'es prête? Je sais pas, y a un bain. Ouais, moi pareil. T'es prête, ma Lily? Allez, ma gosse. On essaye juste, ma Lily, promis. Alors, je te donne mon avis. Ouais, moi, je pense que c'est bon. Je vais mettre un tapis. Ok, pour moi, c'est bon. Ah, le quartier est mal mis de l'autre côté, à nouveau. Ah, merde. On essaye juste. Par contre, ça touche... Ah, je suis pas sûre. Hein. Ça touche pas super bien au niveau sous les quartiers. Oh, j'ai mis un bouille, t'as faim. C'est bien, mais ça nous fait super sèche. Essaye de voir si sous les quartiers, t'as bien un contact. Faut que tu passes ta main au niveau de l'arçon. Bah là, c'est... Mais en dessous du quartier, là. Il faut que tu aies un bon contact. Pour moi, c'est bon, mais après, c'est... Après, là, avec le tapis, je suis pas sûre qu'on se rende super bien compte, quoi. Elle est bien mise sur le côté? Non, attends, il y a juste un petit... Voilà. Non, tu bouges. Tu bouges pas. Là. Ça, je l'ai pas cassé, mais... Elle a grossi? Oh, la vache, j'en ai pas. Attends, je desserre à fond. Attends, hop. C'est bon. Madame, va falloir faire un régime. Faut faire le régime, hein. Ça passe bien au passage de sangle. Ouais. La dolfiteuse, elle m'avait dit, là, si ça appuie ici, il n'y a pas de souci parce que c'est dans le mou, quoi. Je vais essayer de la faire marcher. Hop, on marche un petit peu, ma sauce. Oui, de toute façon, c'est très bien. Du coup, ensuite, on a pris des photos, plein de photos de Lily à plat. À plat, on a essayé. Donc, comme elle était mouillée, etc. Et on l'a envoyée à notre sadolfiteuse qui était venue il y a un mois pour voir si nos selles allaient. Et du coup, elle nous a dit la selle penche un peu en avant. Donc, on s'est dit, c'est pas grave, on va essayer de pas déprimer. Et on essayera en balade, en montée, en descente, en plat, quand elle penche la tête, quand elle... Enfin bref. Dans toutes les situations qu'on peut rencontrer en balade. Si elle penchait encore en avant pendant la balade, elle nous a dit de mettre un amortisseur à cale. Donc juste mettre des cales devant. Parce que derrière ça servait à rien, c'était tout bien. Et du coup là on va la tester avec vous, avec mon nouveau tapis. Du coup on va l'essayer avec mon nouveau tapis. Donc je l'ai déjà mis sur Lily, donc il est sale, mais voilà. Et du coup on va le tester aujourd'hui. On prépare les affaires. Et on vous retrouve là-haut, parce qu'ils sont toujours là-haut et du coup on part de là-haut pour aller faire notre petite balade. J'espère qu'ils sont pas loin. Stop. Merde. Bon, le chargement est bien remis. Bah oui, mais tu peux plus dire ça. Non mais je vais monter à pied, on va juste là, c'est bon. Ah.
plus de peur que de mal. Lily. Tu montres son activité favorite? Ouais, c'est ça. Bouffer n'importe quoi et se rendre malade. Parce qu'elle est débile. Regardez ma Lily comme elle est belle. On est prête? Ready. Go. Ify marche? Ify marcher? Ify, tu marches? Allez, ma Lily. Allez. Oui. Par là. Ify, marche, allez. Oui. Non mais elle est tellement sur le qui-vive que j'ai l'impression que je peux mourir à tout instant là. C'est des oiseaux, Ify. Oh, elle a sursauté. Allez, ça monte. Allez, on y va. Ufa. Allez, Ify. Marchez. 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 Mais... mais j'en ai marre de cette ju... ah, donc fallait que Lily, elle passe devant, quoi. J'ai peur, j'attends que ma mère... C'est ça. Allez, ma grosse. Là, on est sur un rythme de croisière. Je crois que j'ai jamais marché aussi lentement avec Ify, quoi. Ouais, c'est vrai, ah, elle a peur des piquets, Lily? Mon oui. Mais la dernière fois, elle s'est rapprochée. Bah alors, ma Lily. Faut qu'on se pousse, Ify, une voiture. Oui. Attends, oh, oh, ne bouge pas. Tu bouges pas. Elle bouge pas, merci, bonjour. Très bien, très bien. On y va? Hop là, oui. Hop, hop, hop. Oui. Non, non, tu trottes, tu trottes, tu trottes. Ify, tu trottes. Tu trottes. Tu trottes. Tu trottes. Tu trottes. Oui, très bien. Oh, oh, oh. Maintenant, tu veux plus t'arrêter. C'est bien, très bien. Oh, ça fait peur. Ouh là là. Oh là là! Oh, des rues balises! Je pense que je passe!
On va s'arrêter là. Oh, c'est bon, c'est bien. Voilà. Nickel. Oh, c'était un petit passage compliqué. C'est ça. Ça nous entraîne au trek, ma Lily. L'année prochaine. L'année prochaine? Ah bah, attends. Ah ouais. Ah, mais il faudrait que j'aille voir cette année déjà. C'est, ouais, 19-20 octobre. Non, mais Lily, fais pas pareil, t'as pas peur, toi. Elle est passée plus près tout à l'heure. Non, mais... Qu'est-ce que c'est, ma Lily? Moi, j'ai pas peur. Allez, on y va. Marchez. Oui. Oui. Nous, on trotte pas. On attend qu'il y ait moins de cailloux parce que Lily, on connaît... Se retrouver à genoux, c'est pas le top, vous voyez. Tu veux trotter un peu? On trotte, mais doucement. Hein. Lily? Galop! Encore! Ah là, fait trois foulées! C'est bien! Oh, super! Oh, les trois foulées étaient super dures! C'est bien, ma grosse! Super! Je sais que c'est pour manger que tu passes là. C'est interdit. Pouf! Là. Doucement. Ah ah. Doucement. Préparez-vous les abonnés, ça va pencher. Doucement. Ah oh. Voilà. Ah oh. C'est bien. Ah, t'étais pas passé là la dernière fois. Doucement. Voilà. Super. Doucement, il y a des cailloux. Voilà. C'est bien, ma Lily. Doucement. Non. Je me penche en avant, ça y est, ça part. Oh là, ça a du mal à s'arrêter. Hein. Doucement, Lily, tu me tires pas comme ça. Doucement, Lily, il y a des racines là. Elle va où là? Elle va faire caca. Ah oui, c'est ça. Je me suis sentie emportée. Elle a vu, c'est ça, non, c'est pour ça. On peut y aller. Doucement. Oui. Doucement, ma Lily. Bon, nous sommes rentrés. Tu te sauves pas. Et j'ai une idée, on fait le débrief après quand on a décédé Lily Chuchu. Oui, ok, ma jument séparée. Est-ce que vous êtes prêts, tour de magie? Devinez en commentaire qui a fait cette bêtise. Nous sommes rentrés. Je suis exténuée. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je me suis levée tout ce matin en même temps. Pour aller faire quoi? Pour ma journée d'appel. Ah oui, c'est vrai. Donc notre ressenti à toutes les deux du coup, bah, c'est que la selle va, donc ben voilà, c'est tout. Elle va nickel, avec un tapis ça va, bon elle va en avant quand on descend, elle avance, mais ça je pense que ce sera le problème avec toutes les selles,
Parce que nous, on a des forts dénivelés, puis Lily, elle a pas de garrot. Donc, qu'on mette un truc, une arcade grande comme ça ou grande comme ça, ça avancera toujours. Et même Stéphanie, sa selle, elle avancera. Et c'est comme ça, tant qu'on n'est pas sur du plat, ça avance, voilà. Mais elle recule pas. Parce que l'autre, elle reculait un peu quand on montait fort. Donc c'est déjà bien. Déjà elle recule pas, elle avance mais elle recule pas. Et du coup l'arcade elle semble bien. Elle semble pas pencher en avant. Alors sauf que quand je me mets vraiment sur le devant de la selle, donc moi en général je me mets au milieu, normal quoi. Et j'ai essayé tout à l'heure de me mettre là, forcément elle penche en avant. Mais après c'est logique, si on met tout notre poids devant, ça penche en avant, enfin bref. Et du coup on va la garder, enfin je vais la garder, je vais l'acheter à Steph. Et vu que la saddle fiteuse, donc on a déjà vu qu'on a envoyé la photo et tout, elle va revenir pour vendre une selle à Stéphanie. Et bah du coup en même temps on lui demandera pour regarder sur Lily si la selle va, tout ça. Et si ça va pas, j'en rachèterai une et puis voilà. Non, ne parle pas de malheur. J'en fais plus de ces selles, vraiment. Enfin, non. Du coup, on vous tiendra au courant de la saddle fiteuse, donc pour la selle de Stéphanie aussi, du coup, parce que celle de Lily qu'elle avait avant, c'est aussi à Stéphanie. En fait, les deux selles, là pour l'instant, c'est à Stéphanie. Juste, moi je vais lui racheter la Eric Thomas qui est quasiment neuve, et elle va revendre la géologique. Sur le bon coin ou je sais pas, elle fera comme elle voudra et elle en rachètera une. Bon, on vous dira de toute façon, voilà. Si vous voulez plus de nouvelles, donc des selles, des animaux, parce que là sur cette vidéo du coup on voit que les 4, on voit même pas à peine les ânes, mais sur Instagram moi je fais des stories quasiment tous les jours parce que je suis tous les jours à la maison. Je vous tiens au courant de tout le monde, tout ça. Stéphanie aussi a un compte Instagram, on met tout en barre d'infos. Et donc voilà. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine, bisous.